Déjà, il faut comprendre le but de l'alchimie. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert On peut dire que d'un côté, il y a l'énergie pure, indifférenciée, qu'on appelle la lumière, puis d'autre côté, il y a la matière. Donc, le but de l'alchimie, ce serait peut-être de transformer la matière en lumière, en énergie. Mais ça veut dire que lui aussi, il est matière. Et que par conséquent, il peut faire obstacle à cette transformation. Donc, transformer la matière lui permet de se transformer lui-même. Et il y a une clé qui est donnée. Tout à l'heure, j'ai parlé de la genèse. Mais. J'ai parlé de la, du premier jour. Ben, le dernier jour, il se passe quelque chose. Le septième jour, on dit, le septième jour, l'esprit se reposa. En aucun cas, se reposer, ça veut dire rien faire. Ça veut dire se poser à nouveau. Et nous, on a associé le repos à l'immobilité. Alors peut-être que la quête, finalement, est peut-être de trouver cette immobilité. Alors si je suis capable de travailler au creuset, rendre la matière suffisamment immobile, lui faire perdre son agitation, sa colère, eh bien peut-être que la lumière qui est à l'extérieur rentrera à l'intérieur. Mais comment rendre une matière immobile si moi je suis agité Imaginez, vous tenez un creuset avec un matériau en fusion qui doit se cristalliser et vous, vous secouez ce creuset. En aucun cas, la matière deviendra immobile. Donc vous allez transmettre votre agitation à votre matière. Mais cette matière va libérer cette agitation qui sera à ce moment-là plus celle de la matière mais la vôtre. Donc purifier la matière finira par vous purifier vous-même. Donc c'est indissociable, faire une pierre philosophale et aussi s'aligner soi-même pour permettre le passage de la lumière. Petite expérience qu'on peut faire, euh, qui ne nécessite pas grand chose puisque c'est que du sel et de l'eau. Donc on va prendre que des instruments en verre, c'est important, parce que le verre c'est un, un liquide qui a oublié qu'il en était un. Donc il est solide mais il est neutre. On va faire une solution sursaturée, c'est-à-dire qu'on va faire bouillir de l'eau la plus pure possible, avec le moins de sel de minéraux dedans. Et on va prendre du gros sel. Genre euh, sans donner de marque, euh, un sel gris, vous voyez. Euh, on dissout donc à saturation, c'est-à-dire que je mets une poignée de sel dedans, je, je bouge, je, je regarde ce que ça fond, j'en remets une poignée, j'attends que ça fonde, j'en remets une poignée, ça ne fond plus, c'est saturé. Je filtre le mélange, et une fois que j'ai ce mélange là, filtré, je le laisse évaporer à température ambiante dans un plat en verre. Il faut que ce plat en verre soit à l'abri des rayons directs du Soleil et de la Lune. C'est-à-dire au milieu d'une pièce, par exemple, mais pas près d'une fenêtre. Et j'attends. Et au bout de quelques temps, il va se passer un certain nombre de phénomènes. On va avoir un sel qui va monter sur les bords. Il va courir très vite ce sel. Ça, c'est l'agitation du sel. C'est le soufre du sel. C'est sa colère. Et ce sel va monter sur les bords. Et si je ne l'arrête pas, il est très prudent de l'arrêter. Il va se répandre sur la table. Il va descendre de la table. Il va remplir votre cuisine. Vous pouvez me croire, si vous faites cette expérience, vous avez intérêt à avoir l'œil dessus, parce qu'il est très agité, il est en colère ce sel. Alors qu'au bout d'un moment, eh bien, une fois qu'il sera apaisé, je vais avoir de magnifiques cristaux qui vont être au fond, qui vont être cubiques. C'est ce qu'on appelle le sel du sel, c'est-à-dire sa partie la plus fixe sa partie la plus dense. Eh bien, selon les personnes qui vont faire cette expérience, selon le lieu où on va le faire, eh bien, les résultats vont être différents. Si la personne est très agitée, si le lieu est très agité, alors j'aurai du sel qui remonte sur les bords, qu'on appelle sel choufleur, parce qu'il a une forme de choufleur, qui va courir partout, et j'aurai très peu de cristaux. Par contre, si moi je suis très apaisé, ou si le lieu est très apaisé, alors j'aurai des gros cristaux et peu de sel qui remonte sur les bords.